Bonsoir, bienvenue à l'émission de ce soir. Donc, je vous salue, je suis Arlette une fois de plus. Donc, vous êtes sur l'émission Arlette et ses amis. Bienvenue. Donc, nous sommes mercredi, comme tout le mercredi. Effectivement, il y a eu 2 semaines que je n'ai pas fait d'émission parce que, voilà, justement, j'avais perdu quelqu'un de ma famille. Que c'est un peu difficile quand on perd quelqu'un en sachant que c'est quand même une personne qui fait partie de moi. Donc, que je dis. Cette dame-là, elle a fait beaucoup de choses dans ma vie parce que elle m'a élevée en tant que grand-mère, mais j'ai grandi avec elle de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à mes 19 ans, voire même 20 ans quand je suis arrivée en Europe. Donc vraiment, j'ai dit merci à elle. Heureusement qu'elle a existé dans ma vie, tout simplement parce que tout ce qu'elle m'a donné, c'est ce qui me sert aujourd'hui. Donc, bienvenue à l'émission. Je vous invite tous à partager l'émission et à vous abonner sur notre chaîne de Box Brothers, qui justement, l'émission passe tous les mercredis à partir de 21h. Donc là, on est un peu en retard, je m'excuse. Je présente mon invitée de ce soir, donc qui est Dina. Dina, bonsoir à toi. Bonsoir Arlette. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. On est détendu, hein. Donc déjà, on est en retard. On va pas non plus, Cool, courir. On va cool. éviter. Tu vas te Cool. présenter. Les gens vont te connaître ce soir. Alors bonsoir tout le monde. Moi c'est donc Dina Kilubemu. Et je suis Dina Kilubemu, jeune entrepreneur et maman de 5 enfants. Voilà. Qu'est-ce que je peux Waouh. dire de plus, Arlette? Non, c'est déjà bien. Ce que tu as dit, maman de 5 enfants, tu fais 19 ans, donc tout va bien. Donc, en fait, tu es congolaise, hein, si je peux me permettre. Bien ça, je suis congolaise de la RDC. En plus, c'est l'Oramaka, c'est Congo. Eh. Et le Ah ben oui. Donc, aujourd'hui, ce soir, justement, nous allons aborder le thème autour de femmes, tout simplement la mère et auto-entrepreneur. Qu'est-ce que ça t'évoque, justement, ce thème? C'est un thème qui me parle, hein, puisque c'est dans quoi je suis, c'est mon cocon, c'est ma sphère, hein, pour ainsi dire. Je suis une maman, je suis en même temps entrepreneur, et j'ai envie de dire, ouais, c'est ma sphère, c'est moi. Ok, donc explique-nous un peu hein, si on peut partir d'où est venue l'idée du jour au lendemain. Est-ce que tu as rêvé de ça ou c'est arrivé plus loin? L'idée d'être auto-entrepreneur? Oui. J'ai envie de dire, c'est être auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui a toujours été et émergé en moi, même étant plus jeune, sans enfant, étant jeune fille, étudiante et ainsi de suite. J'ai toujours plus ou moins été dans le make-up, dans le maquillage. Et étant dans le maquillage, au fur et à mesure que je voyais que j'aimais vraiment, c'était vraiment une passion pour moi, je me suis toujours dit un jour, pourquoi ne pas me mettre à mon propre compte? Voilà. Et comment est-ce que justement tu t'es mis sur le marché? Est-ce que tu as eu quand même des gens qui t'ont entouré, qui ont fait que tu émerges justement? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Lorsque j'ai eu mon diplôme de make-up, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai commencé par l'esthétique et cosmétique. Là, on va parler un petit peu du côté make-up avant d'arriver à autre Tout à chose. fait. J'ai commencé par l'esthétique et cosmétique. À l'époque, je vivais sur le Mans. Hein. À l'époque, je vivais sur le Mans, là où j'ai grandi avec mes parents, mon père et ma mère, mes frères et sœurs. Et j'ai commencé dans une école qui s'appelle Pigé. Et de Pigé, à un moment donné, j'ai voyagé. J'étais très jeune, mais j'ai voyagé. Je ne suis pas restée en France métropolitaine. Je suis partie aux Antilles. Je suis partie en Guadeloupe pendant à peu près 7 ans. J'ai vécu 7 ans en Guadeloupe, sur l'île de la Guadeloupe, pendant à peu près 7 ans. Et à cette époque, j'ai pu rentrer dans une école aux Antilles, à Pointe-à-Pitre, qui s'appelait Eva de Staël. Et à Tout à Eva fait. de Staël, j'ai pu avoir mon diplôme d'esthétique et cosmétique. Du coup, revenu en France métropolitaine, je suis retournée encore dans les études, mais dans le tertiaire. Dans le tertiaire, parce que je voulais quand même avoir un diplôme d'ordre tertiaire. Donc, j'ai passé ce qu'on appelle un DAU, un diplôme d'accès aux études universitaires, un DAU A, parce qu'il y en a deux. Vous avez le DAU A, vous avez le DAU B. Moi, j'ai passé le A, le littéraire. Puis ensuite, j'ai quitté le Mans, où je vivais. J'ai quitté le Mans pour venir m'installer en 2005 en région parisienne. Et où j'ai trouvé un travail, j'ai envie de dire, plutôt pour subvenir à mes besoins qu'autre chose. Et petit à petit, j'ai quand même
j'ai envie de dire, cousu mon idée de rester dans le make-up. Et à ses fins, du coup, en 2011, j'ai intégré une école à Paris, à Charenton, Make-up Art Academy Paris, à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. Une très bonne école, d'ailleurs. Une très bonne école à qui je dis merci, merci à mes formateurs, parce que grâce à cette école, j'ai pu avoir mon diplôme de maquilleuse en bonne et due forme. J'ai eu mon diplôme de maquilleuse en 2012. En 2012, que j'ai eu d'ailleurs, j'ai pu valider sur Endemol. À l'époque, j'étais en stage sur TF1, sur l'émission Un contre-sens. Je me rappelle, c'est à cet effet que j'ai validé mon diplôme de maquilleuse. Et arrivé à la suite de ça, j'ai été contactée par le groupe Provalliance, qui est l'équipe de Franck Provost, dont Franck Provost lui-même, avec qui j'ai pu travailler pas mal de temps en tant que conseillère de vente, hein, en tant que conseillère de vente, et avec une dame qui avait déjà, elle, créé une institut qui s'appelait Colori, Gina Bandoy, et qui m'a recrutée, hein, qui m'a recrutée simplement en tant que conseillère en beauté. Et de là, j'ai évolué un petit peu. Et en parallèle, j'ai travaillé avec un réalisateur, Quentin Brown, avec qui j'ai bossé pendant plusieurs années. Et je peux dire que c'est beaucoup, beaucoup et vraiment grâce à ce monsieur, Quentin Brown, que j'ai été un peu poussée de l'avant en travaillant en parallèle sur des tournages, parce que sur tous ces tournages, il me sollicitait en tant que maquilleuse. Donc, j'ai pu travailler avec lui, avec Fally Ipupa. J'ai pu travailler avec Mokobé, Lincha, Singila et plein d'autres artistes. Depuis Matador. OK. Le Donc, Fabregas. lui, c'est qui déjà? Parce que moi, je ne connais pas toutes les artistes, en fait. Je ne connais pas tout le monde. Hein. Alors lui, c'est Jussi Matador. D'accord. Il chante aussi, c'est un artiste, d'accord. OK. Oui, là, c'est Hiro. Il était plus jeune. C'est Hiro, le coq. Ah, OK. Wow, donc, j'en ai pas. J'ai dit à mon fils, en plus, tu as Fally Ipupa. C'est pas mal, ça. Ah là 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 là. Donc, je veux venir sur Paris, je prendrai des photos parce que tu es quand même connu là, du coup. Je rigole. Donc, on va continuer. Quand tu parles de conseiller beauté, moi, j'aimerais bien comprendre, en fait, c'est quoi ton rôle là-dedans? C'est, tu vas voir une peau, tu vas dire cette personne-là est adaptée à tel ou tel maquillage, par Oui, exemple. clairement. D'accord. Clairement, OK. je saurais conseiller une personne en fonction de sa carnation, en fonction de son type de peau, en fonction de divers éléments que j'ai face à moi. Wow. Et c'est qui nous amène justement à cette création de DIM. Et ça, c'est arrivé comme DM. ça, t'as créé ta Alors, poudre. ça se dit DM. Mais non, c'est pas arrivé comme Ah, ça, parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a eu tout un processus pour arriver enfin à DM Cosmétique que j'ai créé avec mon associé Minouche Mavi il y a de cela 5 ans maintenant. Et en fait, Et DM, on pourquoi l'avait. DIM là? C'est quoi Dina et quoi d'autre? Ça signifie Et quoi? Minouche, c'est l'association de nos deux prénoms, tout simplement, Dina et Minouche. D'accord. Et en fin de compte, vous vous êtes rencontrés comme ça et vous vous êtes dit non, on va travailler ensemble et on va créer une marque. Pas loin du monde. Alors Minouche est une amie de longue date. C'est une personne que je connaissais déjà. C'est une personne que je connaissais déjà. Et on a décidé un petit peu d'allier nos savoirs parce que Minouche, elle, ce qu'il faut dire, c'est que Minouche, elle est quand même, comment dire, elle travaille dans les laboratoires. D'accord? D'accord. Et donc, du coup, bon, on a décidé De s'associer. d'allier nos savoirs pour créer une marque spécialisée dans la peau noire. On voulait absolument que ce soit une marque ethnique, en prenant soin de prendre un petit peu ce qui n'allait pas dans d'autres marques dites ethniques pour essayer de peaufiner ça dans la nôtre chez DM Cosmétiques. Donc, vous avez fait un travail d'études sur pas mal des marques, Sur alors. Et ça a duré déjà combien de cette temps? Une journée. année, 2 ans? Après, ce qu'il faut se dire, Arlette, c'est que moi, je reste maquilleuse professionnelle, donc les marques, je les connais. Je n'ai pas vraiment besoin de les étudier, je les connais, je travaille avec des marques en règle générale. Donc, je les connais déjà, je sais à peu près ce qui va pas dans telle ou telle marque, ou même les retours des clientes, ce qui va d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses qui vont très bien. D'accord.
Et ce qui va nous ramener justement à cette question, parce que vous vous êtes associé avec quelqu'un, donc une amie de longue date, on va dire. Et donc aujourd'hui, en tant que Congolaise, on se dit, on a peur de s'associer à telle ou telle personne parce que Aroi Bangaï, donc on n'a pas confiance. Qu'est-ce que toi, en tant que tu pourras donner comme conseil? Akoyi Bayo, si, Aromelangambo. Romelu Bongo, dans quel sens à Romelu Bongo? Parce que lorsque tu t'associes, il y a quand même des clauses. Il y a des clauses, tu ne t'associes pas à l'aveuglette. Bien entendu, donc comment elle fait pour que Melongo, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que vous À passez moins devant l'avocat, les clauses, vous le faites comment, les que clauses? vous avez des clauses, comme tout contrat se fait en bonne et due forme, bien entendu. Donc oui, ce n'est pas possible. À moins que vous fassiez quelque chose à la bête ou sous le manteau, donc quelqu'un, on discute sous le manteau, ça se fait verbalement. Ah, ça bug un peu chez toi, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, là c'est bon. Allô, allô? Tu Ah, ça m'entends? bug un peu. Ouais, je pense que ça bug un peu chez toi, Dina. Si tu peux te reconnecter de nouveau, je ne sais pas si tu es là. Allô, allô? Ok, si vous venez de nous rejoindre, justement, c'est l'émission Arlette et ses amis ce soir, je vais dire ce matin. Donc ce soir, justement, nous discutons avec mon invité qui est Dina. Donc vous connaissez la Je suis marque là. DM. Ok, Tu me il y vois? a eu un petit bug. Ouais, je te donne la Ok, parole. d'accord. Dis-moi. Donc, j'étais en train de te dire que non, nous, on n'a pas eu ce problème-là pour la simple et bonne raison que, comme je t'ai dit, il y a des clauses. On a des clauses qui font qu'on est toutes les deux protégées, aussi bien elle que moi. Ce n'est pas quelque chose fait à l'aveuglette. C'est une entreprise en bonne et due forme et voilà, il n'y a pas de raison. D'accord, parce que c'est quand même bien parce qu'il y a ce côté confiance qu'on a vis-à-vis de la personne avec qui on va s'associer. Je voulais savoir justement, toi en tant que, qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui veulent se lancer justement dans les business, on va dire. Moi, perso, je suis une personne très pragmatique et je vais de l'avant. En fait, j'estime que quand on veut se lancer, il faut y aller. Je préfère tomber et Te me relever. relever que ne pas avoir au moins essayé, en fait. Donc voilà, moi, ce que je peux donner comme conseil, moi, au contraire, j'encourage, hein, j'encourage tout le monde à entreprendre parce que j'estime que l'entrepreneuriat, ça crée aussi une certaine... comment dire, on a une Confiance? certaine facilité. Voilà, non, confiance en soi-même, déjà pour commencer, en soi-même. Et puis bon, ça nous apprend plein de choses d'entreprendre. Ça nous apprend énormément l'entrepreneuriat. Donc, du coup, voilà. Ok. Donc, justement, moi, je voulais creuser là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur parle, justement, je leur demande comment est-ce que vous vous êtes lancé, est-ce qu'il y a, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais on a peur, des fois, on a peur de se lancer, on a peur de tomber, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a des factures à payer, il y a le salaire qui ne rentre pas. Comment est-ce que dans tout ça, toi, tu pourrais dire comme... Écoutez, je pense que dans toute chose que l'on fait, il y a des risques. Dans toute chose, hein, peu importe ce que l'on entreprend, que ce soit d'ordre professionnel ou même que ce soit d'ordre personnel, il y a des risques. Et bah, dans la vie, parfois, il faut savoir prendre des risques, bien entendu, pas aveuglément non plus, en mesurant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des études de marché. Qui permettent de se dire oui, là-dedans, je peux plus ou moins me lancer ou et ainsi de suite. Après, la crainte est normale. La crainte est normale, la peur est normale, la peur est un sentiment humain, mais ça ne doit pas nous empêcher toutefois d'aller de l'avant, d'essayer. Qui ne tente rien Comme n'a on rien, dit, hein, n'est-ce pas, qui dit la tente phrase. rien n'a rien. Ouais. N'est-ce Tout pas? à fait. Ok, bah on va tous se lancer. Donc, quand tu parlais justement de l'étude du marché, c'est quoi en parlant de business plan? Il y a des vous allez sur le terrain, vous faites vraiment, vous creusez, en fait, vous faites beaucoup de, je vais dire beaucoup de, comment on fait, beaucoup, attention, je vais dire des conneries, on va éviter ça. Non, vous faites vraiment l'étude des cas, c'est dans pas mal je vais dire dans pas mal des boutiques, en fin de compte. Mais après, en fait, une étude de marché dépend de ton domaine. Tu fais pas une étude de marché pour le make-up comme tu vas faire une étude de marché pour une personne qui va vendre, qui va être prestataire de service ou autre.
comment dire, c'est au cas par cas, j'ai envie de te dire. Tout à fait. Ça, c'est très bien parce que ce que tu ressors, tu fais sortir, en fait, tu as pris quand même le temps. Donc, déjà, tu as étudié dans le même domaine. Donc, tu connais un peu les risques, tu connais un peu le produit. Ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, si je peux me permettre, beaucoup de, on va dire, quelques Congolais dans le milieu. C'est quoi? L'autre a ouvert telle ou telle boutique. Moi, je vais faire la même chose parce que je vais copier. Or, que le lendemain, et quoi, il en a faillite. Or, on ne sait pas que, c'est pas parce que l'autre a ouvert la boutique, par exemple, ou a créé un restaurant, que forcément, moi, je vais créer la même chose, ça va marcher. Peut-être que ce n'est pas mon domaine. Ah non, clairement que ceux qui fonctionnent, je m'excuse, ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionne pas forcément pour les autres. Non, bien entendu. Bien entendu. On peut avoir créé la même chose simultanément, et puis ben, ça fonctionne mieux pour toi que ça fonctionne pour moi. Exactement. Ok, maintenant on va revenir un peu en tant que maman, parce que tu m'as dit tout à l'heure, lors de ta présentation, tu as dit tu as 5 enfants. Comment tu as fait? Comment j'ai fait? Ce n'est pas facile tous les jours, parce que je ne dirais pas comment j'ai fait, mais comment je fais, puisque mes enfants sont omniprésents, omnipotents dans ma vie. Les sacs à main, oui, on va dire ça. Non, des sacs à main, non, parce que j'ai quand même de grands enfants. Hein. J'ai des grands enfants qui se débrouillent. J'en ai encore 2 jeunes, certes, qui ont vraiment, vraiment besoin de moi. Mais j'ai quand même de grands enfants. Mes trois premiers sont relativement grands. Donc, ils font quand même leur vie. Ils ont fait des études et font leur petite vie. Après, j'ai envie de dire, la maternité, c'est quelque chose qu'on a en soi. Et moi, c'est presque un don pour moi d'être maman. Donc, je n'ai jamais vraiment ressenti la difficulté d'allier les deux, d'associer les deux. Après, il y a aussi une question d'entourage. Aussi, quand tu es bien entouré, moi, c'est mon cas. C'est mon cas en ce qui concerne ma famille. Donc, je peux dire que merci. En tout cas, j'ai eu cette grâce-là. Ce n'est pas le cas de toutes les mamans. Mais j'ai été très entourée aussi bien par mes parents que mes frères et sœurs qui font que lorsque j'ai eu besoin d'eux pour mes enfants, en tout cas, ils ont été présents. Et non, mes enfants ne m'ont vraiment jamais dérangée dans ce que j'ai pu entreprendre en soi. Ok. Ah, merci. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de femmes, entre guillemets, dans la culture africaine, c'est quoi? C'est on t'épouse, tu restes à la maison et tu t'occupes des enfants. Or que, je ne sais pas, or que, on se dit, oui, mais elle va aller travailler, peut-être qu'elle ne va pas bien élever les enfants, elle ne pourra pas s'occuper d'elle. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire? Parce que tu as fait les deux, justement. Non, moi, je suis absolument pas d'accord. J'ai des bacheliers à la maison, j'ai des universitaires à la maison. Je pense pas que aller travailler, bien au contraire, c'est un exemple aussi qu'on donne à ses enfants. C'est un exemple de leur montrer que bon, écoutez, il faut se lever le matin, faut gagner son pain, faut faire quelque chose qui vous permette demain de pouvoir avoir une place dans la société et non pas d'être marginalisé. Il y a tout ça aussi. Le fait de travailler, c'est aussi éduquer ses enfants. Ça fait partie de l'éducation. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on dit, aujourd'hui, si je peux me permettre, aujourd'hui, on dit dans la culture africaine, pantalon. Donc, les femmes en Europe deviennent un peu moutou makassi, donc tête dure. Et en sachant que parce qu'elles travaillent, elles prennent un peu le melon, comme on dit. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, justement? Moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Être une femme qui entreprend ne m'a jamais empêchée d'être une femme en soi. Avec mon mari, ça ne m'a jamais empêchée d'être une femme. Je suis une femme, je suis une maman, je reste le mari, la femme de mon mari. Je ne suis pas devenue son mari. Tout à fait. Excellent. J'espère que les gens ont entendu. Je vais demander à la régie de nous faire passer une courte pub et on va revenir tout à l'heure. Donc, ne quittez pas, restez en ligne. The Boss Brothers TV est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Ouvrez votre App Store ou Play Store et tapez Boss Brothers TV. Téléchargez l'application pour être connecté on the go. Suivez les dernières informations, buzz et divertissements de la communauté congolaise partout dans le monde. Ne ratez plus jamais vos émissions préférées. The Boss Brothers, tout le monde est connecté, tout le monde en parle.
gotta say, she can get a taste. She can get a taste. What it say? It's all the same like Mary Kate. She can get a taste. Let you get a taste. Do you let it taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. Rebonsoir encore de nouveau, tout simplement. Donc, vous êtes sur l'émission Arlette et ses amis. Je vous invite tous à partager nos émissions et à vous abonner également sur la chaîne de Box Brothers. Donc, je reviens ce soir. Justement, nous parlons de rôle de mère en tant qu'auto-entrepreneur, tout simplement. Les mères qui ont fait des grandes choses. Donc, je suis avec mon invitée Dina, excuse-moi. Bravo. Je vais même oublier le nom de l'invitée, quoi. Je t'en prie. C'est un truc de malade. Ouais, Matt, dis-moi. Donc, on va revenir un peu. Tout à l'heure, on a vu ta vidéo qui passait au niveau de... Parce que tu t'es pas arrêtée là, justement. Tu as recréé encore un autre. Je me dis, comment elle fait? Effectivement, il y a quelques mois, j'ai créé la marque Lady Caskins. Lady Caskins, qui est une marque... autour de la silhouette. Quand je dis autour de la silhouette, je me comprends très bien. J'explique, quand je dis autour de la silhouette, c'est parce que ce n'est pas une marque, une gamme que j'ai créée autour de la minceur, mais vraiment de la silhouette, parce que j'estime que une belle silhouette ne dépend pas de son poids. Donc, chez Lady Caskins, on trouve des gaines amincissantes classiques, aussi bien pour hommes que pour femmes d'ailleurs, On trouve des ceintures de sudation qui permettent de faire du sport, des tissus à base de néoprène qui permettent de faire du sport et de transpirer. On trouve des produits minceurs. On trouve donc des produits amincissants et ainsi de suite. Et en fait, Lady Caskins, je l'ai créé à partir de ma propre expérience. Donc, ça veut dire quoi ta propre expérience? C'est quoi ta propre expérience? Ça veut dire quoi ma propre expérience? Ça veut simplement dire que j'ai longtemps lutté contre mon poids. Jusqu'à comprendre que, en fait, mon poids n'était pas un problème, mais que le souci, c'était l'harmonisation, j'ai envie de dire, de ma silhouette. Et ça passait par... Pardon ? J'ai dit d'accord. Parce que là, ça bug en fait. Tu as un peu, je ne sais pas, ton ça réseau bug. Là. Oui, ça bug. Moi, je suis en province. Toi, tu es en région parisienne. Mais tu vois, moi, j'ai habité chez nous. Hein. Désolée. Non, t'inquiète pas. Vas-y, tu dis ça. Je te vois, mais encore un peu. Au niveau du réseau, c'est un peu compliqué. Hein. Ah, je suis désolée. Ouais, mais c'est pas grave, ça va revenir. Ou peut-être que essaye d'utiliser plutôt ton téléphone, le réseau de ton téléphone, je pense. Ou la Wi-Fi, je sais plus. Le Wi-Fi, justement. Allô, allô? Ah, elle va se reconnecter de nouveau. Donc, voilà, elle va arriver, mon invitée. Donc, justement, elle disait que, OK, il y en a trois personnes, je sais pas. Ouais, là, c'est bon. Donc, tu disais. Oui. Donc, je disais, rappelle-moi ce que je disais, s'il te plaît. Oui, tu parlais justement de ta marque au niveau de la silhouette. Oui, donc je parlais de Lady Caskins. Lady Caskins qui est vraiment une marque autour de la silhouette, qui ne se limite pas à la vente de gaines, mais aussi qui traverse les gaines, tout ce qui est produit amincissant, tels que des gélules ou encore des crèmes raffermissantes, parce qu'arriver à un moment donné, peu importe l'âge, la peau peut se relâcher à n'importe quel âge, ou même si la peau se relâche, tout simplement en prévention. En prévention, tu peux être une personne qui a une très belle peau, une très belle qualité de peau, et que tu voudrais la conserver, les crèmes raffermissantes sont très bien pour conserver justement cette fameuse peau. Tout à l'heure, tu disais que tu étais obsédée par rapport à ton poids. Et donc, ça veut dire que la ceinture que tu as créée, ça t'a permis, parce qu'aujourd'hui, on voit les femmes aller faire du sport. Et avec la ceinture, est-ce que tu as fait du sport aussi ou pas? Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, il faut être vraiment clair.
L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, c'est une très bonne combinaison, un très bon mariage, de pouvoir porter. Moi, je regarde par exemple, je porte régulièrement mes gaines. Hein. Je vais pas mentir, je porte régulièrement mes gaines. D'ailleurs que, notamment celle-ci, qui s'appelle la Colombian Shepherd. Et je redis, hein, elle n'a pas de mousse. Alors, tout le monde me demande s'il y a des mousses aux fesses. Non, il n'y a pas Oui, de parce mousse. qu'à un moment, moi, j'ai cru qu'il y avait des mousses derrière. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mousse au niveau des fesses. C'est une gaine qu'on appelle la Colombian Shepherd qui permet justement de raffermir, d'amincir, de Le raffermir, ventre. de rétrécir la Le ventre. taille, de Oui. faire en sorte que d'aplatir le ventre et de remonter les fesses. Et avec cette gaine, en fait, ça me permet, je peux faire mon sport avec tranquillement. Ce n'est pas une ceinture de sudation, mais lorsque je fais mon sport avec, j'ai un meilleur maintien, toutefois. Tu vois? OK. Donc, du coup, je l'utilise très bien pour faire mon Et ça coûte sport. combien? Dis-nous un peu le prix là. Ça coûte combien? La Colombian Shepherd, elle est à 59 euros. Après, tu n'as pas que la Colombian Shepherd. Tu as la ceinture de sudation qui te permet de transpirer, comme je te disais tout à l'heure, aussi bien pour homme que pour femme, de transpirer plus quand tu fais ton sport, ce qui n'est que plus bénéfique parce que plus tu transpires, plus tu élimines de toxines. Tu as les leggings minceurs, tu vois. Tu n'as pas que. Qu'est-ce que tu as encore? Tu as pour les hommes, les débardeurs minceurs qui leur permettent de pouvoir mettre enfin leur chemise et ne pas avoir tu vois, le bouton qui fait pouf. Bah, on dit souvent chez nous dans la communauté, quand un homme a un gros ventre, c'est qu'il a la richesse, non? C'est pas ça. Bon, la richesse, c'est peut-être qu'il mange mal, hein, pour sa richesse, hein. Vraiment, tu l'as dit en live, j'adore. Ok, bah les hommes qui nous suivent, hein, donc il faudrait faire du sport tout simplement. Je voulais te demander, parce que là, les gens vont dire qu'on est passé du coq à l'âne, donc ça veut dire qu'on est passé de la poudre à carrément à ce que tu as créé comme gaine. Je voulais savoir, en fait, ton but, c'est quoi, en fait, en passant de là à là? Mais arrête, l'un où j'ai envie de dire les uns n'empêchent pas les autres. C'est pas parce que tu crées dans un certain domaine que tu ne peux pas créer dans un autre domaine. De toute façon, j'ai envie de te dire, ce n'est pas tant que ça, passer du coq à l'âne, parce que ça me ressemble très bien. Aussi bien le maquillage que la silhouette me représentent tout à fait. Sont très représentatifs de ma personne. Donc, je reste vraiment dans des choses qui représentent ce que je suis et ou dont j'ai la conviction. Donc, dans la beauté, quoi qu'il en soit, que ce soit la beauté physique ou que ce soit celle du visage, tout simple. Donc, ça veut dire que tu t'arrêtes pas là, hein, parce que je te vois plus loin là. Qui sait? Inch'Allah, comme on dit. On touche du Inch'Allah. bois, quoi. Inch'Allah. Ok, et je voulais savoir en fin de compte, donc du coup, quand on utilise ces ceintures-là, ça maintient et ça reste plus longtemps ou il faudrait l'utiliser quotidiennement, toute la vie, quoi. Alors moi, je suis une adepte de gaine. Je suis une adepte de gaine. Franchement, c'est quelque chose qui il faudrait dire qu'il faut, ça devient un peu une contrainte. Moi, je suis pour ne pas faire les choses par contrainte, faire les choses par envie et par besoin. Non, une gaine, lorsqu'on la porte, il suffit de l'utiliser 3 fois par semaine à raison de 8 heures par jour. Ça suffit amplement pour faire son travail. Il n'y a pas besoin de porter une gaine du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et heureusement d'ailleurs, parce que le corps a besoin de respirer. Et voilà. Donc, je voulais savoir, du coup, ta boutique sur Paris, elle existe toujours ou comment est-ce qu'on peut te joindre, justement? Alors, comment on peut me joindre? Bah, j'ai mes numéros de téléphone sur les réseaux et ainsi de suite. Je suis aussi sur les réseaux. Je suis sur Instagram avec deux comptes Instagram, dont un qui s'appelle DM Cosmétique et l'autre Lady Caskins. Ensuite, la boutique physique de Paris est fermée depuis très peu de temps pour la simple bonne raison que nous sommes en train d'ouvrir une boutique physique beaucoup plus grande à Kinshasa. Donc, pour Ah, l'instant, ça c'est je bravo, il m'arrange. faut aller chez nous là. Et Pardon? d'où est venue l'idée d'aller investir là-bas en sachant que toi t'es arrivée, t'étais toute petite? Avec mes associés, dès le départ, c'était convenu, hein, en fait. Hein, dès le départ, c'est quelque chose. C'est un projet qui aboutit tout simplement. D'accord, ok, Tout simplement. waouh.
Waouh, Après, en j'ai tant que envie de maman. te dire, Vas-y, vas-y. moi qui suis arrivée petite, oui, mais on n'oublie pas d'où on vient. Je veux dire, peu importe, et je pense même que c'est même valable pour certaines personnes qui sont même nées en. Ça ne nous empêche pas, mélange de culture n'est pas perte d'identité, ça ne nous enlève pas ce qu'on est. Je suis certes de nationalité française, mais je suis native du Congo. Je suis d'abord et avant tout congolaise, de Kinshasa, je précise. Bah, ça fait plaisir, hein, tout simplement, parce qu'on se dit, c'est pas parce que où nos enfants ont grandi, où ils sont nés ici, que forcément ils vont pas retourner dans leurs origines, entre guillemets. Je pense que quelqu'un essaie de t'appeler, du coup, il y a le son qui est un peu tout bas. Je voulais te demander. T'as Le dit son est quoi? revenu? Oui, Ça là, c'est bon, tout va bien, là. Tout va bien. Donc, du coup, parle-nous un peu de cette ouverture, justement, au Congo. Ça va se situer où et ça va s'intituler Non, quoi? je ne préfère pas le dire pour le moment. Au moment D'accord. opportun, je OK, d'accord. Donc, on laisse comme ça. Donc, ça veut dire qu'on Voilà, on laisse va comme en ça. parler. On sait juste que DM Cosmétique arrive à Kinshasa incessamment souple. OK. Et donc, ça veut dire que là, du coup, tu travailles quand même à ton compte en tant que Oui. maman. Tu travailles tout seul, c'est une façon de parler. Et comment tu fais tout ça? Moi, je me dis, excuse-moi, moi, ça me fait peur. Hein, en tant que Congolaise, tu me donnes justement cette motivation de se dire, il faut tenter. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire aux personnes qui ont du mal à se lancer ou qui veulent se lancer en se disant, peut-être que j'arriverai pas, peut-être que je vais échouer. Tu vois. Ben, peut-être que j'y arriverai, peut-être que je vais réussir. Et s'ils échouent une fois, ils doivent recommencer, c'est ça? L'échec fait partie de la réussite. Pour moi, à mon sens, l'échec fait partie de la réussite. Lorsqu'on échoue quelque part, ça nous permet aussi de voir où il y a eu des failles et des failles qu'on peut justement réajuster pour que demain. Pour réussir là où on a échoué la veille, tout simplement. L'échec fait partie de la réussite. Ça ne veut pas dire que nous sommes obligés d'échouer, bien entendu. On peut avoir faire une ligne droite et puis aller de victoire en victoire, de réussite en réussite, tant mieux. Mais je pense qu'on ne doit pas avoir peur de tomber. On ne doit pas avoir peur de tomber parce que je pense que bien tomber pour mieux se relever. Ça fait partie. Hein. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Ça ne m'a jamais fait peur, peu importe d'ailleurs la situation, en règle générale, dans la vie, je n'ai jamais été quelqu'un qui a peur de faire les choses. Je fais les choses, bien sûr, pas à l'aveuglette non plus, pas, mais je fais les choses tant bien que mal. Dans ma tête, lorsque je fais quelque chose, je ne le fais pas pour échouer. Je fais quelque chose pour réussir, qu'il en soit. Ça, c'est bien cette conviction, ouais. Ouais, il y a des gens qui t'appellent. Ah ben, t'es tellement demandé. Je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Bah, merci de ta. Justement, merci pour ton retour. Je voulais savoir, en fait, parce qu'aujourd'hui, dans la culture, moi, je dis toujours, parce que je parle de la culture africaine, je suis désolée, j'habite en Europe, mais j'aime bien mettre en Je avant, justement, cette culture qui a été négligée, je vais dire, au passé. Tout simplement, je voulais savoir, en fait, parce que dans notre culture africaine, on dit que la femme, moi, ça tombe Wakanda coûté. Donc, la femme ne peut pas construire. Oui, il y a un dicton comme ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux dire? Parce qu'ils disent que la femme, elle ne peut pas entreprendre, ou c'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme à Kokoka. Moi, cité. Pour moi, ce sont des idées reçues, tout en sachant que chacun a sa place. Chacun a sa place. Un homme reste un homme, hein. Un homme reste un homme, il faut le dire. Je ne partage pas cette idée de l'égalité des sexes. Je ne la partage pas. Pour moi, la femme n'est pas égale à un homme, parce que la femme n'est pas un homme, tout simplement. Et vice-versa, l'homme n'est pas égal à la femme parce que l'homme n'est pas une femme tout simplement et que nous avons chacun notre place. Mais dans cette place-là, ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas entreprendre pour autant. Et comme je vous disais tout à l'heure, certes, je suis une maman, j'entreprends aussi, mais à côté de ça, je reste la femme de quelqu'un. Donc ça ne m'empêche pas, on est au contraire. On ne peut pas dire que la femme ne bâtit pas, bien au contraire, elle bâtit énormément. Elle est capable de prendre de multiples casquettes à elle toute seule. Elle en est fortement capable, ce qui n'est absolument pas le cas de beaucoup d'hommes. Excusez-moi, monsieur. Attention, féministe.
Non, pas le moins du monde. Pas le moins du monde. Alors, loin de là, c'est ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure. Je suis pour le fait qu'une femme, pour moi, hein, en tant que femme, je reste femme. Je ne suis pas du tout féministe. Loin de là, un homme a sa place dans ma vie. L'homme a sa place dans ma vie. D'ailleurs, j'élève des hommes qui ont leur place dans la vie de femme. Et justement, on va parler de ce côté-là. Que pensent tes enfants par rapport à ce que tu... Parce que ça fait quand même, ça fait une fierté en fait de se dire, c'est la boutique de ma mère, c'est l'entreprise de ma mère. Je sais pas, tu vois. Oui, les enfants, peu importe, je pense que ce qu'on entreprend et qu'on fait, les enfants ont tendance à être très fiers de leurs parents, de leur maman, aussi bien leur mère que leur papa. Moi, je me souviens de mon fils Daryl, lorsqu'il était petit, peu importe ce que je lui ramenais, peu importe ce que j'achetais un tapis, il était... On est moi, wow, maman, c'est plus beau. Il est toujours très fier. Les enfants sont toujours très fiers de maman. Ils sont toujours très fiers de moi. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, ça me motive énormément. Les enfants sont vraiment toujours très fiers de moi, de Daryl à Sephora, en passant par Eden, Sydney, Neville et ma petite dernière, Alice. Ce sont des enfants qui sont très fiers de leur maman. Ok. Donc, je voulais juste reposer une dernière question parce que quand tu parles de, je vais encore revenir, malgré que tu ne veux pas parler énormément de ce que tu mets en place justement au Congo, moi, je voulais justement Ah ben, rebondir est-ce que tu là-dessus. m'entends bien? Parce que j'ai l'impression qu'au niveau du Oui, son. ça bug un peu, mais bon, je pense qu'au niveau, la personne qui t'a appelé, donc ça fait que, voilà, ça sonne un peu bizarrement. Mais bon, après, on t'entend, hein. Je reviens? Oui. Tu veux que je revienne? Non, t'es bon. Non, reste comme ça, C'est bon? t'es bien. Non, Très bien. reste. Reste, on est arrivé à la fin, donc il est 37. On a fait déjà presque 40 minutes. Donc on est Très bien. arrivé presque à la fin. Et je voulais justement rebondir ce côté de bah parce que tu crées quand même quelque chose au Congo. Et je voulais savoir parce qu'aujourd'hui, on dit quoi? En tant qu'Africaine ou en tant que Congolaise, que si on veut créer quelque chose au pays, il faudrait connaître le milieu, donc il faut connaître les gens, donc ça veut dire un carnet d'adresses. Est-ce que toi, tu as eu à avoir ce côté-là aussi, ou tu avais déjà de gens qui étaient déjà sur place? Bon, après, moi, mes associés connaissent très bien le Congo et ont quand même un bon carnet d'adresses. Et moi-même, hein, je ne vais pas dire le contraire. Et c'est vrai qu'il est important, je pense, quand même, de savoir où on va. On ne fait pas les choses à l'aveuglette. Le but, ce n'est pas de se casser la gueule non plus. Le but, c'est au contraire de réussir quelque chose. Donc, on ne fait pas les choses aveuglément non plus. Effectivement. Bravo. Qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire par rapport à ce que, par rapport à ton parcours de A à Z pour encourager certaines personnes qui nous regardent? Moi, comme je dis, hein, comme je dis très souvent, pour moi, vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir avoir de la persévérance dans tout ce que l'on fait. Et très constructif, en fait. Quand on commence quelque chose, faire en sorte de terminer ce qu'on a commencé. C'est surtout ça. Ouais, quand tu parlais justement, il y a une idée qui m'est venue, je vais quand même la poser la question. Quand on parle d'entrepreneuriat, on met, excuse-moi, on va mettre, parce que quand on parle de la culture africaine, on met Dieu devant. Est-ce que toi, tu as eu à recourir quand même ce côté-là parce que les gens mélangent justement en disant Nzamba kosa la kaka, toze la kaka, Dieu va nous, Dieu pourvoit. Non, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pas une question de mélanger, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas envisager l'entrepreneuriat sans ma spiritualité. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment je pourrais construire quelque chose si je ne mets pas mon Dieu au centre. Tout Tout à simplement fait. parce que c'est une thérapie pour moi. Ça me donne de la force, ça me donne du courage, ça me donne de l'espoir. Parce que j'ai l'impression que je m'accroche à Dieu et que comme on nous dit qu'avec Dieu, on n'échoue jamais, donc pour moi, je ne peux pas échouer parce que j'ai Dieu pour moi. Je ne peux pas dissocier les deux, ce n'est pas possible. Tu as bien dit de la spiritualité, donc c'est autre chose encore. La spiritualité, moi, je ne parle pas d'église, je parle de Ah, Dieu.
Je ne parle pas d'église, je parle de Dieu. Ok. Ok. Alors, j'ai compris. Ta question était quoi? Tu voulais oui, me oui, non, 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 t'es bien. Non, 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 je voulais juste comprendre. Oui, voilà, c'est un peu ça, en disant que... Je vais te donner un exemple. Tu vas aller à l'église, par exemple, ou un dimanche, tu dois entreprendre ou tu as un rendez-vous, tu vas peut-être annuler le rendez-vous pour aller à l'église. Ah ben voilà. Donc souvent, malheureusement, dans la culture, certaines personnes mélangent. Dieu est présent, il est omnipotent. Pourquoi je vais annuler un rendez-vous pour aller à l'église tandis que Dieu est avec moi tout le temps? Il est avec moi. Pourquoi je vais annuler le rendez-vous? Il est avec moi. Pourquoi je vais aller chercher ailleurs? Merci à toi. Un dernier mot de la fin. Si y a des... Attends, avant le dernier mot de la fin, si les personnes veulent te contacter, tu as dit tout à l'heure que tu étais sur pas mal de sites, c'est ça, hein, sur Internet. Exactement. Alors, si on veut me contacter, il est possible de me contacter sur Instagram, sur l'Instagram d'Educa Skins. Il est possible de me contacter sur WhatsApp au 07 64 01 62 68 ou encore sur mes Facebook Dina Kilubenu. Tout simplement. Un dernier mot de la fin. Que dire si ce n'est que j'encourage toutes ces femmes qui ont ce besoin d'entreprendre, qui ressentent, qui ont ce désir d'entreprendre, qui ont peur peut-être parce qu'elles se disent « je ne sais pas comment je vais faire avec mes enfants ». Là, on vient de parler de Dieu. Et ben, j'ai envie de dire « Dieu pourvoira ». Dieu vous donnera la force. Donc, il faut la puiser quelque part, cette force, et vous y arriverez. En même temps, on n'a rien sans rien, les filles. On n'a rien sans rien, ou les hommes aussi, on n'a rien sans rien. Et vouloir, c'est pouvoir. Donc, pour ramasser, il faut jeter. Donc, voilà. Oh, bien, bien dit. Bah, merci à toi. Je suis vraiment ravie. Moi qui te remercie, Annette. Merci beaucoup. Bah, merci, parce que ce n'était pas évident déjà de ta voix, parce que moi, je te voyais, hein, je l'ai dit encore et je veux le redire. Je te voyais sur Paris. Entre-temps, j'ai déménagé, mais je n'ai pas eu accès à venir justement, à venir te rendre visite, comme on dit. Mais je te remercie pour ce soir. Je pense que ça ne serait pas la première, parce que je suis sûre que tu vas revenir. Ce n'est pas fini dans ta tête. Oui, 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 avec plaisir. Allez, bonne soirée à toi. Gros bisous. Merci, merci. Bye, 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 bye. Donc, je remercie les personnes qui étaient connectées sur la chaîne de Box Brothers. Abonnez-vous et partagez nos vidéos justement sur, vous êtes sur mon émission Arlette et ses amis. Je suis connectée, on va dire, je suis en live tous les mercredis à partir de 21h. Je salue la team, bonsoir à vous tous et je salue les personnes qui étaient là. Je pense que David, t'es là, Jocelyne, Freddy, tout le monde, hein, on va dire Kams, je te dis bonsoir. Aimé, merci pour ton aide et merci lui aussi, la régie, par rapport à leur disponibilité. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres thèmes et portez-vous bien. Bonne soirée. Bye. Au revoir. Do you love the taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me.